Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'un mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Quel message le peuple béninois a-t-il voulu faire passer en renouvelant le mandat de Patrice Talon dans un contexte de réforme? Les leçons de ce plébiscite sont à suivre dans ce journal. Des kits alimentaires sont offerts aux populations musulmanes du 5e arrondissement de Cotonou. C'est dans le cadre du projet panier alimentaire du Ramadan. Et puis fin du séminaire de renforcement de capacité des personnels de l'administration parlementaire. Pendant 2 jours, les agents ont été outillés sur les fondamentaux relatifs à l'archivage électronique. Bonsoir et bienvenue à cette édition. Patrice Talon est réélu pour un nouveau mandat de 5 ans, à la grande satisfaction de ses sympathisants, et depuis les félicitations ne cessent de lui parvenir. Je vous propose de suivre ici celles qui lui ont été adressées par les émeraudes de la diaspora béninoise aux États-Unis et au Canada. François Zavi à Tadidi est au micro de Marcel Arossi. À la majorité, ce peuple a choisi de vous reconduire au palais présidentiel et d'admettre votre colistière, Madame Mariam Tchabi Talata, à la vice-présidence de notre État. Les émeraudes de la diaspora béninoise aimeraient vous adresser à Madame Mariam Tchabi Talata et vous leurs félicitations. La bataille fut rude, mais ne dit-on pas qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Cette victoire ne saurait être démuniée de mérite, car nous avons vu combien durant la campagne présidentielle, vous avez pris des coups sans fléchir, tel un Iroquois à l'apparence légère, mais en réalité résistant. Nous sommes sans crainte pour le Bénin, car vos années à la tête de notre pays nous ont démontré que vous détenez les capacités, la force et le mental requis pour faire face aux différents défis de notre pays. Assurément, vous poursuivrez au travers du PAG Acte 2 l'œuvre que vous avez entamée 5 ans plus tôt. Comme vous l'aviez dit, nous venons de loin et nous irons plus loin possible. C'est pourquoi, conscient de votre détermination, de la charge du travail à venir et de votre fidélité au progrès du Bénin, les émeraudes de la diaspora béninoise souhaiteraient vous renouveler leur appui et leur engagement total. Ainsi qu'à la vice-présidente élue. Loin des yeux, mais unis en esprit, vous saurez compter sur nous.
Le cadre de concertation des jeunes fait partie des mouvements qui ont soutenu la candidature du duo Talon-Talata. Après la proclamation des résultats par la CNA et la Cour constitutionnelle, les membres de ce creuset ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont félicité le président Patrice Talon et sa colistière pour leur victoire. Je vous propose de suivre ici le président national du cadre de concertation des jeunes. Soucieux de contribuer au progrès significatif de notre nation, le cadre de concertation des jeunes, CCJ, a été également au front, aux côtés du chef de l'État, Patrice Talon, et de sa colistière, durant toute la période de la campagne électorale. Fier donc du résultat réconfortant de notre commune bravoure, nous félicitons le président Patrice Talon pour sa brillante réélection par chaos, car se soumettre au vote de ses concitoyens n'est pas chose aisée. Surtout dans un contexte sociopolitique comme le nôtre, jonché d'incompréhensions et d'étranges quiproquos, bien plus, monsieur le président de la République, au sein du SCA de concertation des jeunes, nous avons appris et apprécié votre travail, votre intégrité et votre volonté de faire les choses comme il faut pour un développement durable et harmonieux. Nous nous réjouissons de vos performances depuis 5 ans à nos jours et vous rassurons que nous sommes toujours là, derrière vous, à vous soutenir. Nous saisissons tout de même l'occasion pour adresser nos encouragements aux autres duos de candidats qui n'ont pas démérité. Nos remerciements vont également et en particulier à toutes les institutions de notre pays impliqués dans le processus électoral ainsi que tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'organisation parfaite de ce scrutin dans un climat d'apaisement et de sérénité. À nos forces de défense et de sécurité, nous leur disons un sincère merci pour le sens élevé de responsabilité et du professionnalisme dont ils ont toujours fait preuve en de pareilles circonstances dans l'intérêt supérieur de nos populations. Le peuple est très fier de vous. Nous saluons et félicitons le peuple béninois pour le choix opéré de façon judicieuse et sur le duo Talon-Talata. C'est un choix porteur de développement, d'espoir et d'avenir conséquent pour chaque Béninoise et chaque Béninois. Comme en 2016, nous avons décidé de révéler davantage le Bénin et de hisser son étendard sur la scène internationale. En renouvelant le mandat de Patrice Talon avec un score de plus de 80% des suffrages exprimés, alors quel message le peuple béninois a-t-il voulu faire passer dans un contexte de réformes jugées dues? Osias Sonovo nous propose ici quelques pistes d'analyse. On regarde. Présidentiel 2021, leçon potentielle des chiffres du scrutin béninois d'avril 2021. Pour l'opposition, c'est manifestement la consécration d'une difficulté d'adaptation à une nouvelle ère de rationalisation de la praxis et de la gouvernance politique héritée de 30 ans d'expérience. Système partisan secoué par une cure d'amaigrissement forcé, puis corsé par un resserrement des règles électorales. Conséquence, banc de touche pour bien d'acteurs politiques en mal d'adaptation. Les fracas de la furie vengeresse d'une opposition raidie par l'obsession de revenir dans le jeu politique se sont alors exprimés à coups de violence pour tenter de renverser le nouvel ordre établi. À défaut d'y mettre un coup d'arrêt, elle a misé sur l'improbable boycott d'un scrutin sécurisé par le réformateur. Plus de 50% de taux de participation. Tel est le verdict qui fait naufrage à cet espoir d'aggiornamento. Fin de partie pour l'opposition. Le réformateur s'en sort victorieux avec un score, point trop nécessaire à répéter pour ménager le trauma de l'opposition radicale. Leçon du scrutin pour le candidat Talon. C'est une onction donnée à plus de 80% des suffrages exprimés à des réformes pourtant réputées potions amères. Sur le plan politique, par un chamboulement total du système partisan, hier extensible à souhait, désormais réduit à peau de chagrin. Un système démocratique vanté pour la vertu de son alternance, de ses libertés, mais d'autant plus miné que le mandat législatif
est transformé en effet de commerce parlementaire. Où le vote non éclairé et abusé du pauvre peuple électeur en majorité analphabète est acheté à coups de bière, de bols de riz, de morceaux de viande, de jetons distribués directement chez l'habitant ou même depuis le palais de la présidence où le peuple est convié à défiler pour prendre son CFA. Comble de sacrilège pour un aussi haut lieu de la République, piège sans fin pour la légitimité du peuple alors devenu marchandise électorale. Légitimité monnayée entre deux élections aussi à travers meetings populistes incessants, office religieux télévisé à la gloire des saints gouvernants avec la bénédiction rubis sur ongle des leaders d'opinion et toute autre personne incarnant une quelconque influence sociale. Voilà le voile de laideur où se cachait à peine la démocratie béninoise si enviée mais remise en cause par les dures réformes talonesques encouragées par le vote du 11 avril 2021. Difficile réforme aussi au plan économique. Pour sonner le glas d'un ordre ancien de corruption généralisée, vautrée dans une impunité garantie par des institutions constitutionnelles inopérantes. Les réformes talonesques portent une ambition redoutée, là aussi, mettre fin à l'hypothèque qui pesait sur l'avenir du pays à travers une coquille démocratique à économie assistée, une gouvernance qui s'enorgueillissait de programmes de réduction de pauvreté au lieu d'ambitieuses politiques de création volontariste de richesse. Une gouvernance qui brandissait le Bénin comme leader des PPTE, entendez, pays pauvre, très endetté, piètre réputation, vanté pour revendiquer l'affligeant statut de pays mendiant de l'assistanat international. En lieu et place, les réformes talons ont forgé une politique d'attraction, d'investissement porteur de croissance, arrimée à la valorisation de la côte du Bénin. De ses potentiels humains, naturels et géostratégiques, la rigueur, l'effort d'assainissement et les prouesses induites ont donc été validés par les scores du scrutin présidentiel d'avril 2021. Et pour le pays, enfin, il y a le défi de poursuivre ces réformes sans exacerber les déchirements sociaux, fatal pour le projet nation et le vivre ensemble. Il y a aussi nécessité de rallier la moitié silencieuse ou boudeuse ayant privé Talon de son onction. Oui, empruntons ici même le bon mot de l'opposant. On ne gagne pas contre son peuple, on gagne avec lui. Il apparaît donc impérieux de poursuivre la réinvention du nouvel ordre politique avec plus d'inclusion dans un Bénin pacifié, réconcilié, avec une respiration sociale moins compliquée. Et si au bout du chemin viennent des lendemains qui chantent, on pourra donc dire que pour réparer la démocratie béninoise et lui redonner un sens pour le bien-être collectif durable, il aura fallu d'abord fortement l'éprouver. Trois audiences au palais des gouverneurs à Porte-Nevo. Le président de l'Assemblée nationale a reçu successivement trois personnalités, parmi elles des rois, qui ont salué l'implication du président Louis-Yves Lavonou pour la préservation de la paix au Bénin. Firmin Bassao. Le professeur Noupo Agosou, ancien professeur certifié des lycées et collèges du Bénin, professeur titulaire des universités du CAMES, est venu présenter au président de l'Assemblée nationale la nouvelle édition du manuel intitulé « Fondamentaux de géographie du Bénin » dont il est l'auteur. Les objectifs visés, c'est non seulement de lui faire découvrir cette deuxième édition puisqu'il avait déjà eu à acquérir et donc à prendre connaissance de fond en comble de la première édition qui date de 2016. Donc de prendre connaissance de cette deuxième édition et par-delà, quelle est la tête de l'institution parlementaire qu'il puisse m'aider à et atteindre les honorables députés à l'Assemblée nationale. Aussi que le document puisse être suffisamment vulgarisé à travers le pays au niveau des établissements d'enseignement aussi bien primaire que secondaire. Sa Majesté a dans 2 ans à Yadokun du Palais Royal à Damin, à Abomey est la deuxième personnalité reçue. Nous sommes arrivés voir le président de l'Assemblée. Vous-même, vous voyez le temps qui est passé. C'est un temps sensible. Et malgré tout ça, là, ils ont réussi à faire l'élection. Et c'est le chaos qui est arrivé.
on doit les remercier pour son geste léger qu'ils ont fait. La manière de faire l'élection a été, ça s'est passé dans une transparence totale. Quant à Sa Majesté Toffa, roi de Porto Novo, il est venu présenter au président de l'Assemblée nationale ses civilités, mais aussi des échanges sur des sujets de préoccupation majeure. Je suis venu le féliciter. Féliciter pour tout ce que nous avons traversé et nous sommes là aujourd'hui avec notre président réélu, monsieur le président Talon et Talata. Cet inédit, c'est quelque chose d'impensable, mais aujourd'hui c'est réalisé. Le président de la République est aussi félicité et je lui laisse la parole pour qu'il porte mes félicitations au président Talon. Fin du séminaire de renforcement de capacité des secrétaires de cabinet et directeurs techniques de l'Assemblée nationale. Pendant 2 jours, les agents ont été entretenus sur les fondamentaux relatifs à l'archivage électronique des documents administratifs. Les pertinentes recommandations issues du rapport qui vient d'être présenté révèlent l'extrême urgence des décisions qu'il faudra prendre en vue de faciliter votre travail d'archiviste ou de gestionnaire de documents administratifs de l'Assemblée nationale. Je voudrais ici vous donner l'assurance de les transmettre à l'autorité en vue de leur mise en œuvre diligente. Je voudrais bien compter sur l'ingénierie pédagogique de l'IPAD afin qu'une initiative de suivi soit possible après le séminaire. À présent, il vous revient de prouver l'amélioration de vos compétences archivistiques par la mise en pratique des notions apprises durant ces séminaires. Nous allons vous regarder par rapport à ça. Le syndicat national des travailleuses et travailleurs des services judiciaires et assimilés du Bénin au cabinet du nouveau président de la Cour suprême. Les échanges ont tourné autour du discours programme du nouveau président prononcé le 25 mars dernier, notamment le statut des agents de la justice. Nous avons demandé une audience au président pour aborder avec lui quelques points relatifs à son discours programme du 25 mars dernier. Lors de sa prise de fonction. En fait, quelques points dont il avait parlé nous intéressent particulièrement, tels que le vote des statuts des agents de la justice de façon générale, la densification des relations entre la Cour suprême et les juridictions de fond, et quelques autres points dont on a discuté de façon générale. Le président était tout en phase avec notre démarche. Il nous a promis de nous aider dans la réalisation de ces différents points dont on a parlé avec lui. Et parlons maintenant du projet Panier alimentaire du Ramadan. C'est une œuvre humanitaire qui vise à soulager les peines des fidèles démunis pendant cette période de Ramadan. Reportage Patrick Josso. Elle est musulmane. Sa famille fait partie des 800 foyers bénéficiaires des 800 kits alimentaires ici exposés et destinés à aller se déposer chez les fidèles les plus démunis du 5e arrondissement de Cotonou. Lui, il est l'un des bénéficiaires présents ici. C'est dont nous procure la joie parce que ça nous permettra de rompre les jeûnes chaque soir et aussi de jeûner à chaque aube. Nous remercions ceux qui ont fait des offres parce que chaque année, ils le font et ils nous donnent la joie. Le projet des paniers alimentaires du Ramadan est à sa 2e édition. Ici, nous sommes au centre confessionnel de santé Al-Faisal. Aujourd'hui, dans ce mois béni du Ramadan de l'année 2021, qui est l'année 1442 du Hijr du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, cette année islamique qui court du 20 août 2020 au 8 août 2021 de l'année grégorienne. Ce centre est situé au quartier Nouveau Pont de Cotonou. C'est la 2e édition que nous assistons. Nous venons passer par ce canal pour remercier la Ligue islamique et le centre de AISPESA. Nouveau Pont est l'un des 15 quartiers du 5e arrondissement de Cotonou. Toute la population du 5e arrondissement et la population béninoise
à travers ma voix. Je remercie la représentation de la Ligue islamique mondiale au Bénin à travers le centre Faisal. Pendant cette période sensible, la période de Ramadan, une période où tout le monde demande la grâce divine, que cette grâce soit réellement un fait réel sur la terre béninoise. Le mois de jeûne du Ramadan qui vient de débuter a cette année un goût singulièrement amer à cause du coronavirus qui restreint et contraint le panier de la ménagère. Le Ramadan était déjà traditionnellement un mois de solidarité avec la zakat ou aumône légale, troisième pilier de l'islam. C'est une initiative humanitaire et salutaire si on le fait. Donc, je remercie la Ligue mondiale de l'islam. Cette action caritative de la Ligue islamique mondiale ne peut que réjouir tous les musulmans qui en remercient Dieu Allah et salmodient Alhamdoulilah. Le label diplomatique, c'est un magazine bilingue entièrement dédié à la diplomatie, aux relations internationales. Alors ce magazine vient de paraître pour la quatrième fois. Il traite de sujets pointus pouvant permettre aux lecteurs de comprendre la géopolitique actuelle. Son promoteur en profite pour partager le contenu avec nous. Il est au micro de Précieuse Akwekhono. Cette édition comporte notamment les rubriques traditionnelles, comme déjà la 34e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Nous avons abordé le sujet avec un confrère de renommée internationale, Seydik Abba, nigérien basé à Paris. Il y a eu des confrères qui sont intervenus également sur le message vidéo du président Joe Biden à cette session de l'Union africaine. Dans ce magazine, nous parlons également du Bénin, en pensant à notre ambassade du côté de Paris. Du Bénin, il en est aussi question avec l'audience accordée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonci au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Autre rubrique, la rubrique liée à la diaspora africaine. Dans ce cadre, nous avons reçu la première vice-présidente de l'État de la diaspora africaine, Madame Ketura Amouako. Elle nous a parlé un peu de comment, à travers le commerce interafricain, l'Afrique peut vraiment propulser son développement, notamment avec la ZLECAF, la zone de libre-échange économique continentale. Dans ce magazine, nous sommes allés à la découverte de la ville de Calavi, qui a bénéficié de beaucoup de projets du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Notre rubrique Trône d'honneur, nous avons reçu l'ambassadrice du Niger près le Bénin et doyenne du corps diplomatique, l'ambassadrice Sandy Saadi Abdou, avec qui nous avons passé en revue les rapports existants entre le Bénin et la communauté internationale. Nous n'avons pas manqué de recevoir un autre ambassadeur accrédité au Bénin, l'ambassadeur de Turquie près le Bénin, le Togo. Nous invitons vraiment les lecteurs à s'approprier ce quatrième numéro et un numéro pour qui veut l'avoir au-delà des kiosques et librairies. C'est le 95 86 63 91. Le 95 86 63 91. À présent, la revue du web avec Maurice Tantan et Fawaz Oladipiakou. 15 ans après sa création, Twitter pose enfin ses valises sur le continent africain. Et c'est au Ghana que le patron du réseau de microblogging a décidé d'installer ses premiers bureaux en Afrique. Jack Dorsey, cofondateur et PDG de l'entreprise, a lui-même annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. Un choix très apprécié par Nana Akufo-Addo. Le président ghanéen a également affiché sur le réseau social son enthousiasme de voir Twitter s'installer dans son pays. Dans la foulée, l'entreprise a déjà publié plusieurs offres d'emploi pour mettre en place une équipe opérationnelle dans le pays.
Si la pandémie de COVID-19 continue de ralentir le monde, elle offre des opportunités d'affaires pour d'autres. C'est le cas du rappeur et designer américain Will.i.am. Le leader du groupe Black Eyed Peas a lancé un masque de protection high-tech avec écouteurs. Ce masque futuriste, ultra sophistiqué, est équipé de deux ventilateurs, de filtres à air mécanique, de la technologie Bluetooth, de lumière LED, le tout avec une autonomie de 7 heures avec des bretelles réglables et des écouteurs magnétiques. Ce concentré de technologie est livré au prix de $300. Une idée qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes de diverses façons. Si je comprends bien, on ne va jamais se débarrasser des masques, pas à mon goût, mais en réfléchissant bien, il pourrait tout à fait faire un carton avec. Tout ça sur la tête de quelqu'un ? Non merci. Avec un tel ambassadeur et le contexte actuel où le masque est aussi un accessoire de mode, ça se vendra bien. Enfin, voici l'une des femmes qui compte dans l'univers du web africain. Neina Nwankama, nigériane d'origine et ivoirienne d'adoption, se bat pour l'inclusion numérique des femmes à travers le monde et plus précisément sur le continent. Au sein de la World Wide Web Foundation, elle travaille avec les Nations Unies pour améliorer l'accès des femmes à Internet, les aider à développer leur leadership et limiter les violences dont elles sont victimes en ligne. À 46 ans, Neina Nwankama est toujours sur plusieurs fronts. Logiciels libres, protection des données, accès à Internet et plus encore. Elle ne manque pourtant pas de temps pour elle-même. Je parviens à consacrer du temps à tout cela en moins de 24 heures par jour, puisque j'arrive parfois à dormir et même à me maquiller de temps en temps. L'actualité internationale est marquée principalement par le début des funérailles du prince Philippe, époux de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Et voici la compilation de l'actualité internationale signée Lenaï Kagwazao. Un incendie a obligé les autorités sud-africaines à évacuer des centaines de patients de l'hôpital public Charlotte Maseke de Johannesburg. Le feu s'est déclaré vendredi matin et on le pensait sous contrôle dans la journée. Mais il s'est ravivé dans la soirée. Au Zimbabwe, le gouvernement a autorisé la libération de certains prisonniers afin de limiter la surpopulation carcérale et d'empêcher la propagation du Covid-19. En France, les dirigeants de gauche se réunissent dans un hôtel parisien à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot, qui espère en faire la première étape d'un rapprochement en vue de la présidentielle de 2022, malgré des absences remarquées. Travailler sur les idées très largement avec la société civile, et puis un certain nombre d'entre nous ont décidé d'avancer sur une candidature commune, sur un contrat de gouvernement et sur un pacte législatif. Et ça respecte tout le monde. Il va falloir, dans le respect mutuel de nos organisations, être en mesure de répondre fortement sur les initiatives que notamment peut prendre aujourd'hui le gouvernement. On pense à l'assurance chômage, on pense aux retraites, on pense à beaucoup de sujets sur nos libertés aussi, qui font que nous devons ensemble nous dresser contre ce qui, aujourd'hui, nous fait face. En Birmanie, environ 800 détenus sont libérés de la prison d'Insein à Rangoon à la faveur d'une amnistie décrétée par la junte, dont trois membres de la troupe satirique Peacock Generation, emprisonnés en 2019 pour une représentation jugée critique à l'égard de l'armée. Depuis la tour de Londres, au bord de la Tamise, un coup de canon retentit pour marquer le début des funérailles à 15h heure locale au château de Windsor du prince Philippe, époux d'Elisabeth II, décédé il y a 8 jours à 99 ans, ainsi que la minute de silence observée dans tout le pays à cette occasion.
un deuxième coup de canon retentit pour marquer la fin de la minute de silence. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a observé la minute de silence à Tickers, sa résidence de villégiature. À l'occasion, le palais de Buckingham a partagé une photo personnelle de la reine et de son mari. La photo prise par Sophie, la comtesse de Wessex, serait l'une des photos préférées de la reine Elisabeth II. On y voit le couple détendu et souriant dans le parc national de Kengoms en Écosse en 2003. Béninoise, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, Rachida Bioman sera dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à demain.